Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, la page est terminée. Alors j'ai fait le ruban. Ici, j'ai mis une petite garniture parce que j'ai laissé ça ouvert ici. J'ai mis un morceau de une petite bordure aussi. Alors juste vous montrer. Alors j'en ai fait une pochette finalement. Alors c'est ma technique où je mets la colle en U autour, je positionne mon papier et puis une fois qu'il est bien placé, avant que ça sèche trop rapidement, je vais pousser vers l'intérieur, mais juste pour faire un tout petit bombé de 1 mm, tout simplement. À ce moment-là, quand on arrive pour entrer les cartes, c'est plus facile que quand c'est à plat, parce qu'on cherche à entrer à l'intérieur. Alors, je recommande de faire ça. Ensuite, à l'intérieur, alors j'ai utilisé beaucoup de papier uni parce que ça prend beaucoup de papier, il y a beaucoup de surface à photo ici. Ici, j'ai encore une petite pochette avec la petite carte. J'aime bien utiliser les cartes en faire des pochettes parce que je me dis, bon, c'est beau pour décorer, mais il n'y a pas d'utilité. Alors, je me suis dit aussi bien les mettre en pochette et puis avoir plus d'utilité. Comme ceci. Ensuite, on tourne comme ceci. Ici aussi, j'ai fait la pochette de côté. Alors, ça fait quand même beaucoup d'espace photo, c'est très intéressant. Alors là, maintenant, bon, là, je regardais pour travailler l'autre côté. Et puis, je regardais mon autre page que j'avais terminée. Puis, je me disais que. Alors là, on a comme ceci, on tourne. Ça, c'est la page 2. Page 1, page 2. Là, je me disais, j'aime pas vraiment le fait que j'ai deux thèmes différents sur les pages qui se touchent comme ceci. Alors, vu que je vais revenir au même thème souvent, parce qu'il n'y a pas tant de thèmes dans les collections de papier, alors je me suis dit, bon, celle-là, je la mets de côté pour tout de suite. Je vais en prendre une autre, une nouvelle, comme ceci. Parce que là, ici, on a la double de page, c'est le devant de la page, comme ici. Ici, il n'y en a pas, c'est l'autre côté. Et je vais faire le même thème qu'ici. Et puis, ensuite, quand j'arriverai à faire la prochaine, j'irai avec le thème ici, puis ensuite je vais continuer, puis la dernière. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite, et là, je travaille ici avec les petites fillettes avec les fleurs. Bon, là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire comme interaction, parce que je vous avais dit que je ferais des interactions nouvelles. Comme vous voyez, c'est déchiré parce que j'ai dû reprendre. Je crois que c'est la quatrième fois que je reprends. J'ai vraiment en tête de le faire pour vous, puis de ne pas aller voir le tuto. Je ne sais pas s'il y a un tuto de toute façon. Ça, c'est un. Une idée de Crazy Paper. Vous connaissez Crazy Paper? Ça fait des albums, beaucoup d'albums pop-up. Alors, je me suis inspirée déjà d'elle dans le passé, surtout quand j'ai fait mon album pop-up. Et puis, elle faisait une cascade interactive, mais au lieu qu'on tire sur la cascade, on pousse et toutes les cartes se déplient. Alors, je vais faire ça avec vous. Quand on fait une cascade interactive avec la tirette qu'on tire vers le bas et que les cartes s'ouvrent, on doit vraiment la faire ou bien verticale, ou bien qui va vers l'extérieur de l'album, non pas vers le centre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le centre de l'album par rapport à notre pochette est ici. J'ai fait le X ici. Parce que si on a les cartes qu'on ouvre comme ceci et que les cartes s'ouvrent, il ne faut pas oublier qu'on a notre album est ouvert comme ceci. Alors si on a le moindrement une pochette ou un fermoir, quoi que ce soit, un rabat, et qu'on tente de ramener les cartes, elles se butent, elles se prennent dans les plis. Et puis c'est difficile aussi à faire revenir parce que c'est penché comme ça. Alors, j'ai décidé que je le faisais comme ça, mais avec le système de Crazy Paper, qui fait que les cartes, au lieu de qu'on tire et qu'elles s'ouvrent comme ceci, on pousse, elles s'ouvrent comme ceci, et quand c'est terminé, elles se rabattent. Alors, elles ne prennent jamais, je crois pas, là, je vais voir, là, mais je crois pas qu'elles vont se prendre dans l'interaction qui est voisine. Alors, on va faire cette interaction. Premièrement, vous devez avoir 6 cartes. Exactement le même format. Alors, bien égal ici, même chose ici. Moi, mes cartes, elles mesurent 9, alors 8,4, vous pouvez avoir 8,5. Et ici, j'ai 12,5. Alors, vous en faites 6 identiques. Ensuite, vous allez utiliser un papier plus mou. Alors, ici, moi, j'utilise, vous savez, j'utilise toujours du papier environ 210-225 grammes. Je dis toujours les deux chiffres parce que ça dépend des compagnies. Ce n'est pas toujours la même chose. Mais là, on a besoin du 160 grammes, pas plus que ça, pour faire le mécanisme parce qu'on veut que ça soit souple. Il faut que les plis ici soient bien pliés et que les cartes soient souples, que les espaces ici se déplient de façon souple. Sinon, ça fait des cartes qui ouvrent tout en même temps comme ça et j'aime pas vraiment. Alors, moi, je veux que ça fasse clop, clop, clop. Voilà. Alors, le morceau ici, vous prenez la largeur de votre page. Exact. Ici, en l'occurrence, c'est 21,6. Et puis, ici, j'ai 9, 9,1, mais ça peut être 9 cm.
Vous allez faire une marque ici à 3 cm du coin. Faites une marque. Et puis 1 cm ici. Même chose de l'autre côté. Alors là, les petits coins ici, on doit les garder. On doit enlever une bande ici, chaque côté, jusqu'à cette marque-là. Alors, je vais commencer par couper petit thing comme ceci. Ensuite, je vous recommande de prendre votre massicot. Vous tracez une ligne droite. Alors, vous remesurez 1 cm et vous tracez une ligne droite pour enlever la bande qui est ici. Alors, on doit se garder, je vais vous expliquer pourquoi, on doit se garder ces petites, les petites bandes dans le bas. Jusqu'ici, je vais terminer au ciseau. Ah bon, c'est terminé. OK. Alors là, on se trouve à avoir ces petites bandes ici. Alors, quand on va avoir placé notre mécanisme qui va être collé, je vais vous expliquer les lignes de pliure à faire. Alors, on va coller ici et on va coller ici. Ce qui se trouve que notre carte pour le 3 cm qui est ici va suivre, quand on va déplier les pages, il va suivre la coulisse ici. C'est comme ça. OK? Bon, alors là, vous allez faire une ligne de pliure en millimètres, je vous les donne en millimètres. 6 mm, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 cm. 6 espaces, plus le 6 mm. En pouce, un quart de pouce, un demi, un demi, un demi, un demi, un demi, un demi. OK? Là, on va tout plier ça pour que ça soit bien, bien parallèle avec les côtés de notre bande. Alors, on les plie une après l'autre. Je vais en profiter pour bien les presser parce que ça permet d'avoir un système que les cartes vont vraiment bien se tourner. La dernière, ça se trouve être une petite couture. Où est-ce que c'est par ici que le mécanisme va être fixé à la page. Je vous le montre. Alors, le petit dernier ici va être collé ici à la fin, quand on aura tout posé nos cartes, et puis fixé à la page ici. Et avec les coulisses, alors on fait ça comme ceci, et les cartes vont toutes s'ouvrir. Alors, j'espère. Si vous le voyez, c'est que ça a fonctionné. Sinon, ben, j'ai décidé d'abandonner. Bon, alors là, vous devez trouver le centre. Un crayon. Ici. Alors, vous trouvez le centre de votre bande. Faites une petite marque. Et même chose sur une carte. La première carte. Alors, je vais prendre celle-ci. Une marque tout juste au centre. Mesurer pour que ça soit bien, bien droit. Bon, alors là, on va coller les cartes comme ceci. Habituellement, quand on faisait l'autre cascade interactive, on tournait comme ceci et on les collait ici. Qu'elles étaient vers le bas ici. Mais là, c'est le contraire. Elles vont être vers le bas, comme ceci. Alors, finalement, c'est comme le contraire, finalement, de ce qu'on fait habituellement avec les cascades interactives. Bon, ça, c'est... Alors, on met la colle. Pas trop, mais un peu partout. Ne cachez pas votre marque au centre. Là, vous devez centrer et laisser tout juste un petit espace, juste à peine visible, de l'espace où est-ce qu'on colle notre bande. Là, vous allez l'ouvrir. Alors là, on doit la placer comme ceci, bien droite. Et on va vérifier si notre carte est droite. Alors, si c'est pas droit, on va ajuster un petit peu avant que ça soit trop collé. Faire comme ceci, tiens. Bande comme ceci. Si ça a besoin d'être un petit peu plus bas. Voilà, on a la première. On plie ici. Alors là, je vais travailler comme ceci. Okay? C'est ma façon d'être plus à l'aise. Alors, je remets ma colle ici. Là, je vais poser ma carte comme ceci. Alors, on la pose en allant comme ceci, non pas comme ceci, qui reste un petit espace. Là, ensuite, on va le plier comme ceci, mettre bien égal en haut, bien droit. Et vous regardez si c'est bien droit ici aussi. Parfait. On va plier le prochain. Alors, je mets ici. Prochaine.
aligner en haut et sur votre bande ici. Regardez si c'est bien égal avec l'autre carte en haut. Et là, il faut vérifier si les espaces entre les cartes sont les mêmes. Voilà. Vous ajustez au besoin. On va plier comme ceci. On continue. Ici. Mes cartes que j'ai déchirées de la vidéo avant, j'aurais dû les coller de l'autre côté, j'ai pas pensé. Alors on vérifie encore si c'est bien droit. Quand on vérifie si c'est droit, je recommande de regarder d'un côté, de l'autre côté. Si vous voyez que c'est droit de tous les côtés, c'est que c'est droit. Sinon, vous allez le voir d'un côté si c'est droit. Comme ceci pour que vous voyez la continuité. Bien droit. Ici. Bien droit d'un côté. Bien égal ici. Ici, moi, je vais coller, je vais mater. J'aurais dû toutes les mettre comme ça parce que là, on voit le déchiré. Je vais peut-être mettre des petites bandes, quelque chose. Là. Il en reste une. Ça, c'est bien droit. On plie ici. Alors, je les ai toutes posées avec mes cartes du côté droit et je pose la carte du côté gauche comme ceci. Donc, vous trouvez une façon de faire qui vous est le plus confortable. Voilà, c'est tout droit. Ensuite, alors là, vous allez trouver le centre. Entre, alors là, on travaille sur la doublure de page, hein, parce qu'on a deux pages. Ça va être maté, une carte. C'est pas comme si on travaillait sur la page au complet. Alors, tout juste sur cet espace, vous trouvez le centre entre ici et ici. Faites une petite marque. Là, vous allez mettre la colle sur la petite couture ici. Et vous allez la centrer avec votre marque de votre première carte, tout juste au bord ici. Il devrait y avoir le même espace des deux côtés ici. Assurez-vous que ce soit bien égal ici, bien parallèle avec le bord de la page. Voilà. Ensuite, vous allez tailler deux bandes, la même largeur que la page, et puis environ 1 mm de moins. Alors, vous devez garder 1 mm ici sur le mécanisme. Alors, quand votre bande est juste sur le côté de la page, vous devez avoir 1 mm ici environ. Donc là, on va une fine ligne de colle en U. Ici. Et on va coller derrière toutes les pages, bien alignées sur le coin, ici aussi. Alors, si vous êtes proche ici, faites bien attention de mettre une fine ligne de colle ici pour pas que ça déborde. Faites le tasser un peu si vous voulez, mais il faut qu'il soit capable de se rendre à plat comme ça. Ici, faites la même chose de l'autre côté. Fait. En U. Et vous allez la placer. L'ouverture sur le centre ici. Alors, ça colle ici, ici et ici. Alors, vous allez sur vos cartes. Juste sur le coin. Aussi. Si j'ai peut-être un peu plus, on est peut-être un petit peu plus étroit, ou moins mal centré. Voilà. Et puis là, l'espace qui est ici, jusqu'à la dernière carte, regardez, ça fait ça ici, c'est joli, hein? Alors, l'espace qui est ici jusqu'à la fin, vous pouvez le mater de papier design. Et puis, je vous recommande de soit poser un bouton ou quelque chose. Moi, ici, j'ai les pièces de chipboard de la collection. Alors, après avoir maté ici, je vais mettre le petit bouton ici. Et ça, vous matez ici et ici aussi. Quand vous allez mater ici, vous allez jusqu'au dessous ici, jusqu'au bord. Tout ça. On aurait pu le faire avant aussi. Et puis là, quand on revient, on fait ça comme ça. C'est bien, hein? Alors, comme vous voyez, les cartes, quand elles reviennent, elles ne se butent pas.
parce qu'elle rapetisse, ça rapetisse l'espace qui est pris sur la page d'à côté. Alors, c'est pour ça que ça fonctionne mieux que quand on fait la cascade interactive conventionnelle, que j'ai toujours faite, de façon latérale, où les cartes vont sur l'autre page. Idéalement, ou bien vous la faites verticale, ou bien vous la faites qui va vers l'extérieur de l'album, ce côté libre, non pas côté tranche. Alors voilà, c'est ça, c'est bien, hein? Contente, ça fonctionne bien. Après 4 essais, j'ai dû reprendre les vidéos parce que je faisais toujours une erreur. Première erreur, c'est parce que j'avais utilisé du papier cartonné, même épaisseur que les cartes. Ça ne fonctionnait pas. Deuxième erreur, j'avais pas posé les cartes du bon côté. Troisième erreur, j'avais coupé les petits carrés ici au lieu de couper les grandes bandes. Là, je l'ai correct. Hein, ils disent qu'avec le travail, là, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je voulais surtout la réussir pour vous la montrer, parce qu'elle est encore plus facile, je crois, à faire que la cascade que je fais à l'habitude. Alors voilà, il vous reste à mater. Alors vous matez chaque carte. Vous allez mater, vous gardez 1 mm tout le tour idéalement. Alors je vous recommande de mater la première, mais vous calculez la grandeur de la première, vous calculez la grandeur de toutes les autres, qu'elles soient toutes égales. Ensuite, après avoir posé la première, vous assurez que, surtout si vous avez 1 mm de chaque côté, que les autres suivent bien le 1 mm. Et que l'espace que vous laissez de bordure à la base de la carte, vous faites la même chose à chaque carte. C'est très important. Puis là, bien, vous allez égaliser ici. Je vois que je devrais égaliser un petit peu ici. Et puis ici aussi peut-être. Alors, mettez tout ça bien droit, bien égal. Et puis, je vous reviens pour la prochaine. Alors, on va faire celle-ci. J'ai une autre belle idée qui serait bien, bien intéressante. Très facile en passant. Alors, je vous reviens demain. Merci. Bye-bye.